Attention, attention. Télévision nationale d'Haïti, nous, matin vendredi 7 juillet 2023. Nous, exactement dans le jardin musée du Panthéon national, MUPANA, côté équipe gouvernementale, là, a organisé une cérémonie, justement, en mémoire de l'ancien président Jovenel Moïse qui mourit assassiné dans la nuit 6 pour l'ouvrir 7 juillet 2021. Donc ça fait deux années et cérémonie jeudi à son façon pour commémorer une date comme ça et rendre hommage à chef l'État qui lui-même était parti quitter nous dans les conditions que nous connaissons. Télévision nationale d'Haïti nous présent au niveau de MUPANA justement pour nous permettre de vivre cérémonie ça. Une cérémonie qui gagne une forme assez particulière, pas vraiment gagne intervention mais surtout gagne un dépôt, un gerbe de fleurs qui a fait par le Premier ministre PIA, Dr. Ariel Henry. Mais on nous rappelait que dans le moment où on a parlé là, des corps ont déjà planté au niveau du jardin MUPANA pour cérémonie ça, à côté gagné en pile officiel qui ont même déjà présent dans l'espace là. Nous remarquons la présence différents membres en dans cabinet ministériel là. Nous avons déjà remarqué la présence ministre économie et finance Michel Patrick Boisvert. Nous remarquons la présence ministre éducation nationale et formation professionnelle, ministre culture et communication, ministre justice et sécurité publique AI. Donc autant de personnalités qui sont même présentes dans l'espace là. Et là, c'est le Premier ministre Dr. Ariel Henry qui a fait rentrer lui en dans l'espace là pour cérémonie ça. Nous invitons au suivant ça maintenant, nos amis téléspectateurs et téléspectatrices Télévision nationale d'Haïti, comment ça a déroulé. Et voilà, Premier ministre Ariel Henry qui lui-même a salué les membres de son cabinet ministériel et certains cadres, certaines autorités de l'administration publique, directeur général. Là, nous avons remarqué la présence du secrétaire général Palais National. Là, nous remarquons la présence du coordonnateur OMRH. Là, nous avons parlé de Josué Pierre-Louis et Jean-Coudi Ali. Nous remarquons la présence de différents membres dans le cabinet ministériel. Là, le ministre du Commerce et de l'Industrie, Ricardin Saint-Jean. Nous remarquons la présence du ministre Travaux publics, transports, communication, qui a recevoir salutation de la part du Premier ministre, le ministre de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural, Brady Charlot, le ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle, le ministre de l'Économie et des Finances, le ministre de l'Économie et des Finances, Michel Patrick Boisvert, et nous remarquons toute présence du personnel diplomatique présent dans l'espace à l'occasion cérémonie. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, représentants des pouvoirs de l'État, représentants du corps diplomatique et consulaire, Mesdames, Messieurs les hauts cadres de l'État, Mesdames, Messieurs en vos titres et qualités, membres de la presse. Un devoir de mémoire nous réunit ici dans le jardin du MUPANA, le musée du Panthéon national haïtien. Dans cet espace où repose le reste de certains de nos ancêtres. Ces ancêtres qui ont droit à la mort pour donner la mort à tout le système esclavagiste. Saluons la mémoire de nos grands héros. Et pour saluer la mémoire de ces grands héros, la fanfare du Palais national est invitée à nous jouer l'hymne national. Mesdames, Messieurs, en ce 7 juillet 2023,
nous voici rassemblés au Mupana, ce temple d'histoire et de mémoire, pour commémorer les 2 ans d'assassinat du président Jovenel Moïse. La mort ne sera la vie, puisque la vie, puisque la mort est le commencement d'une nouvelle vie. La mort ne saurait détruire les rêves, puisque les rêves font vivre. Les rêves du président Jovenel Moïse ne sont donc pas morts. Pour continuer cette cérémonie de commémoration, le Premier ministre va faire le dépôt d'une gerbe devant l'installation préparée pour la circonstance avec la photo du président Jovenel Moïse. Et cet acte sera suivi d'une minute de recueillement. Et à la fin de la minute de silence et de recueillement, sera jouée la sonnerie aux morts. Une minute de recueillement. Merci. La sonnerie ou mort. Juillet 2023, 2 années d'assassinat du président Jovenel Moïse. Journée de deuil, journée de réflexion. Dans cet élan de recueillement et de réflexion, une tranche artistique a été préparée par le ministère de la Culture et de la Communication. Ce sont des fragments de textes poétiques entrecoupés de chants traditionnels, et le tout supporté par un chœur de théâtre. Apprécié. Dis ce que bon te semble. Fais ton choix de l'être. Assemble-les que naissent les mots, énigmatiques et clairs, et la parole commencera. Pose la rhétorique sur la métaphore sur l'imagination. L'imagination sur ses vœux lointains, le lointain sur le lointain. La cadence naîtra dans la mêlée des images singulières venues de la rencontre du réel et de l'imaginaire rétif. Viens-tu d'écrire un poème ? Non. Trop ou peu de sel dans le vocabulaire.
Un accident a peut-être perturbé l'équilibre de l'équation des ombres. Un aigle est peut-être mort. Au sommet des montagnes, la terre du symbole s'est peut-être allégée. Dans la métaphore, et les vents l'ont violée. Elle est peut-être devenue lourde au plumage de l'imagination. Ton cœur n'a peut-être pas bien réfléchi. Ta pensée n'a peut-être pas ressenti ce qui t'ébranle. La poésie est l'épouse du lendemain et la fille du passé. Elle campe en un lieu mystérieux entre l'écrit et le dit. Viens-tu d'écrire un poème ? Non. Qu'as-tu donc écrit ? J'ai rédigé un cours et j'ai abandonné la poésie depuis que j'ai connu l'alchimie du poème. Je me suis retiré. Plus spacieux et toujours plus profond, s'étend à l'infini dans l'éternel silence. Il plane, triomphant, son ombre se balance, loin du globe au-dessus de l'OTAN furieux, et dans la paix immense, au clair sommet des cieux, grisé d'air pur, il dort, le soleil sur sa tête, de lumière d'argent inondant la tempête. Ainsi le cœur qui t'aime, ô Dieu, vers tes splendeurs, s'élève pour planer au-dessus des douleurs, plus avide du ciel lorsque la mer épreuve, pour le submerger, s'enfle et gronde comme un fleuve. Sur une aile d'azur, son âme sans effroi monte toujours plus haut et se repose en toi. Loin du mal, sombre abîme aux spirales funèbres.
J'ai toujours l'espérance de grandes choses. J'ignore en quoi elles consistent et je les attends sans impatience. Il est même possible qu'elles soient déjà venues sans que je m'en sois rendu compte. Mon âme est comme un chien en arrêt devant un buisson, aux aguets d'un gibier proche et invisible. Bien sûr, je n'attrape jamais rien, aucune proie. Juste, et c'est suffisant, la certitude éblouie d'avoir entrevu une chose plus grande que ma vie, et pourtant accordée à elle une lumière si pure qu'elle en est presque cruelle. La nuit pas jambout, m'dil m'sémenté, a toujours gagné dans l'isier chagrin, yon fenêtre qui l'ouvrit. Yon fenêtre pour lumière passée. A toujours gagné un rêve qui a fait les 100 pas. La vie pour combler, grand goût pour combattre yon caisse sensible. Yon main qui longeait, yon main tout l'ouvrit. J'ai cap siveillé, yon la vie. Yon la vie pour nous séparer. La nuit, pas jamais mourir.
Cette cérémonie de commémoration des 2 ans d'assassinat de Jovenel Moïse. Merci à tous ceux qui ont travaillé pour rendre cet hommage bien mérité au président Jovenel Moïse. Partez avec cette phrase de Shakespeare, « Mourir en combattant, c'est la mort détruisant la mort ». Merci à tous. Et vous êtes invités à rentrer dans la salle pour partager un thé fraternel avec le Premier ministre et la ministre de la Culture et de la Communication. Bonne journée à vous tous. Vision nationale d'Haïti, c'est fin cérémonie, hommage, si vous voulez, ou bien commémoration de l'année depuis assassinat ancien président Jovenel Moïse. En cérémonie, j'ai encore remarqué qu'il était en forme assez sacramentelle avec arrivé le Premier ministre là, Fanfare Palais National là, qui lui-même était entonné l'hymne national là, et après Fanfare Palais National là, c'est Premier ministre là, avec ministre Justice et Sécurité Publique, qui c'est en même temps ministre Culture et Communication, qui ont même été procédé au dépôt de Jeb Fleur là, devant photo ancien président de la République là, Jovenel Moïse. Et après, tu as gagné justement une minute de recueillement en mémoire de l'ancien président. Et tout de suite après, tu as gagné une performance artistique ou bien partie culturelle dans le cadre de la cérémonie ça, qui t'est déroulée avec le ministère de la Culture et de la Communication, avec le support du Bureau national d'ethnologie et de la direction du Théâtre national. Voilà donc ça qui constituait en gros menu cérémonie ça qu'on se suive. En cérémonie, on a rappelé qui était organisé pour commémorer 2 années depuis le président Jovenel Moïse mourit assassiné. Nous songeons 6 à 7 juillet 2021, donc dans la nuit de Datsayo, le président lui-même a joint l'amour. Je dis, c'est une enquête qui a poursuivi déjà 5 juges sous dossier. Dernier juge là, c'est le juge Walter Wessel-Voltaire qui lui-même continue à auditionner des gens dans le dossier ça et souhaite tout le monde, y compris le Premier ministre là, qui hier dans la déclaration, il a retourné sur Trinidad et Tobago, il a dit que lui a collaboré avec la justice et fait tout ça qui dépend de lui pour faciliter que lumière faite sur le dossier ça. En cérémonie qui a gagné présence diverses personnalités politiques, diverses membres en dans cabinet ministériel là, plusieurs ministres qui étaient là et plusieurs autres hauts fonctionnaires dans l'État, personnel corps diplomatique et consulaire là qui étaient présents dans le jardin Mupana pour assister à la cérémonie ça, le haut état-major de la police nationale d'Haïti, le haut état-major de l'armée d'Haïti était présent, divers directeurs généraux et directrices générales dans la fonction publique là eux-mêmes étaient présents pour assister à la cérémonie commémoration de l'année depuis Jovenel Moïse, ancien président pays, a été assassiné. Télévision nationale d'Haïti, nous sommes sous place justement pour te permettre de suivre la cérémonie. Ça, nous avons mis un bout dans la retransmission en direct. Ça, merci à vous-même qui t'avez suivi. Restez branché TNH pour suivre reste programmation. Moi-même, Kenny Livilsen, toute équipe technique TNH, là, Junior Avril, Pierre Vigneault, Grégory Misna et Danius Théodore, nous vous remercions d'être avec nous. Restez branché TNH pour suivre reste programmation. Bye bye tout le monde.